Voici ce qu'a dit le premier et le dernier. J'étais mort et je suis revenu à la vie. Amen. Je suis plus jeune que toi, j'ai l'air plus vieux. Mais non, t'as pas l'air plus vieux. Ah si, j'ai l'air plus vieux. Moi, je pars pas à travers les bois à pied. Faire des kilomètres pour retrouver le gars qui a volé ce téléphone à la con. Vous êtes pas d'ici, vous? Non, c'est pour le boulot. À la télé, ils ont dit que c'est la fin du monde. C'est normal d'avoir peur, tout le monde a peur. On devrait pas tarder à mettre la main dessus. Le problème, c'est que quand il est coupé, on peut pas le localiser. Qu'est-ce qu'il y a pas, Jim? Rien. Ah, pourquoi tu tires la gueule comme ça tout le temps? Elle s'appelle Esther. Mais il y en a un autre. Et celui-là, ce serait bien de le retrouver vite. Vous êtes mariée? Vous avez des enfants? Non. Qui s'inquiète pour vous, alors? Des amis, j'imagine. Hey, t'es chez moi, ici, mec. Des mecs comme toi, ils feront jamais la loi, ici, d'accord? T'as conscience qu'avant, on aurait simplement rendu le téléphone et touché l'argent? Oui. Mais je connais plus comme avant. C'est ça que t'appelles un petit problème de voiture? C'est quoi ton métier, toi? C'est un petit peu difficile à expliquer.